Salamato Darga est l'une des bénéficiaires du projet philosocial communément appelé Burkinong Saya. À travers ce projet, elle reçoit chaque trimestre la somme de 30 000 francs CFA, et ce pendant 3 ans pour l'amélioration des conditions alimentaires de son ménage. Grâce aussi à cet appui, Salamato a pu mettre en place son projet d'activité génératrice de revenus. Cet argent nous a emporté beaucoup. C'est très utile pour nous. Me voici au marché en train de vendre des habits. Avant, j'étais à la maison assise. Mais maintenant, je suis au dehors. Tout le monde me voit. Tout le monde savent que je vends des habits maintenant. Le projet philosocial Burkinong Saya nous a aidés à faire de l'élevage. J'ai 4 chèvres et 7 moutons que j'élève présentement. Comme elle, plus de 20 000 femmes de la région du Centre-Est bénéficient du projet philosocial dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables. Ah, si de Burkinong Saya wa anton katon yeta ka son ton ason aton. Ala son aton hala kien. Bala te boy, on na fo honda la ti na ndulo katon. Te boy zia fo zia. Te fo tondu. Tonda le bra me le ton ra ka be. La ton me pam son le bilifa. A tun ni zikanga lo horom kon te ton pam te. Son le zia ka ton bilifu. Ha, te ton me ka ton yimba mi yali. Parmi ces bénéficiaires, il y a celles-là qui touchent chaque 3 mois 30 000 francs et d'autres 40 000 francs. Et je précise que celles qui touchent les 30 000 francs sont les femmes qui ont des enfants de 0 à 15 ans et moins de 5 enfants. Et celles qui ont 5 enfants et plus ont 40 000 francs chaque 3 mois. Mais tout au long du projet, chaque bénéficiaire doit toucher 12 fois le cash qu'elle perçoit. Ça veut dire celle qui reçoit 30 000 francs recevra 30 000 francs 12 fois. Et celle qui reçoit 40 000 francs recevra 40 000 francs 12 fois. Le projet philosocial, c'est aussi les mesures d'accompagnement des ménages pauvres et vulnérables à travers notamment des formations et des sensibilisations sur des thématiques spécifiques. Il y a plusieurs types d'interventions allant de la sensibilisation sur des thématiques spécifiques, allant de la formation et de ces bénéficiaires, allant de leur organisation pour qu'elles puissent, au niveau de leur zone d'intervention, au niveau de leur village, réaliser des crédits, réaliser des épargnes entre elles pour mieux s'épanouir. Débuté dans la région du Centre-Est en 2016, le projet philosocial Burkinong Saya a permis d'engranger des résultats satisfaisants sur le terrain. Nous avons constaté des changements notoires sur le terrain. Voilà, en termes de comportement nutritionnel, en termes de comportement envers les enfants, voilà, en termes aussi de comportement envers les moyens de subsistance. Les femmes arrivent à développer des activités qui vont leur permettre de pérenniser les acquis du projet. 100% de nos bénéficiaires qui reçoivent les ressources arrivent à s'assumer, arrivent à améliorer leurs conditions de vie sur le plan alimentaire, sur le plan nutritionnel et même sur le plan de la scolarisation des enfants. Et c'est ce qui est recherché. Il y a des effets inattendus que nous avons rencontrés sur le terrain. Nous avons par exemple plus de 90% des bénéficiaires qui réalisent déjà des AGR à leur propre initiative. Et au niveau de ces AGR, vous l'avez dit, c'est du petit commerce qu'elles s'organisent pour réaliser. C'est des ventes de bétail et plusieurs types d'activités. Et il faut dire aussi qu'il y a au moins 81% de ces bénéficiaires là qui participent à nos activités. Ils sont notamment en lien avec les mesures d'accompagnement dont j'avais parlé, sur un objectif prévisionnel de 75%. Après les régions du Nord, de l'Est, du Sahel, du Centre-Ouest et du Centre-Est, le projet philosocial ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'avoir en lune de mire les autres régions du Burkina Faso, des perspectives sont envisagées en vue de prendre en compte les réalités du moment.
Le projet philo-sociaux financé par l'État burkinabé vise à accroître l'accès des populations pauvres et vulnérables à des systèmes efficaces de protection sociale.